n'est pas parce qu'aujourd'hui mon étoile brille que certaines personnes vont se mettre là pour dire oui, le petit il est poli, il est gonflé, il est ceci, il est cela. Mais je suis tout ce que vous dites. J'accepte d'être ça. Mais quand on dit qui est le meilleur DJ de la Côte d'Ivoire là, on dit Yorobo. Mes accidents sont mes accidents. Vous souhaitez qu'il meure, c'est votre souhait. Mais je ne mourrai pas tant que Dieu ne décidera pas mon sort. Tant qu'il ne dit pas, bon, tu meurs mardi, meurs mercredi, je ne vais pas mourir. Je suis là. Et tant que je suis là, là, personne ne pourra prendre le dessus. Au dessus, le coupé décalé vie, c'est grâce à moi. Normalement, je dois être décoré par tous ceux qui peuvent me décorer. Mais tout le monde à Abidjan, que ce soit animateur, journaliste, tout le monde cherche un truc pour me casser. Pourquoi? Parce que je suis fort. Moi, je ne dors pas, moi. Pendant que je sors un son, pendant que le son est en train de faire mal, moi, je réfléchis en même temps à qu'est-ce que je dois faire sortir qui va faire plus mal que ce qui est sorti. J'ai sorti Pongo, tué. Les Bédés, tué. On baisse pas un peu, tué. Pied, tout, tué. Après encore, j'ai sorti quoi encore? Bouddha, tué. Après encore, Gessimi Djeka, tué. Et actuellement, Zropoto, tué. J'ai clashé, j'ai eu à clasher des collègues coupés décalés parce qu'ils m'avaient clashé. Fallait que je réponde, je suis pas un pédé, on baisse pas dans mon cul. Fallait que je réponde parce que moi là, ça reste pas dans mon ventre. Tu as fait de te parler. Là au moins, tu sais que je te dis. Chers Ivoiriens, respectez-moi un peu. J'ai fait 6 fois le palais de la culture, j'ai rempli le palais de la culture 6 fois. J'ai remporté le courant en tant que meilleur artiste africain, en tant que meilleur artiste aussi d'Afrique de l'Ouest. J'ai remporté les Koundé. Je me suis battu et je me bats toujours pour le coupé décalé. Des gens sont en train de visser le coupé décalé. Et quand il y a la vérité, il faut le dire. Il faut le dire et je dis j'en ai marre. À qui veut l'entendre, j'en ai marre. Mais nous, c'est la sorcellerie. L'Ivoirien ne reconnaît jamais le bienfait. Il regarde toujours les côtés négatifs. Un artiste ne peut pas être parfait à 5%. Moi, tu m'acceptes pas, je m'en fous de toi, tu ne payes pas ma partie, tu ne me loues pas, je ne m'aille pas chez toi, je ne m'en bats les couilles. J'ai fait ma musique, je ne veux pas danser. Mais tu as dansé un bruit, bah, ça prend partout. Je suis le Yoro. Et je me débrouille seul, je compte sur personne. Moi, mon père, mon Pierre, père à son âme, est mort à cause des Ivoiriens. Pour son pays, il est mort. Il était malade, il l'a appelé pour une tournée de réconciliation pour la paix. Et il est mort. Qui a fait quoi? À part le ministre Ahmed Bakayoko qui a enlevé 20 millions de francs CFA pour organiser le concert, ses funérailles. Quel artiste même pour qui il a travaillé? Enlevé au moins peut-être 15 millions pour dire bon voilà, on sait qui a donné qui, on sait qui a fait quoi, on sait qui n'a rien fait. Aujourd'hui on est seul, je suis le seul pour ma famille. Donc ce qui me donne la main là, faut être qui tu veux. Il n'est pas te laisser mettre du sac de mon achèque. Pitiation pour vous les artistes. Voiture là c'est pour moi. Prix là c'est pour moi. J'ai quoi ils vont donner c'est pour moi. Vous êtes fatigué, madame a mis jury. Non. Prenez peut-être le PR qui a venu séparer Saladé. Vous voyez, il y a des gens qui ont chargé ça. À quoi les petites voitures là? Eh, la voiture d'influencemento viendra garer devant ma porte. Et mes potes de rouler dans dedans. Et mes amis vont rouler dedans. Et mon frère va rouler dedans. Allez-y, vous cachez, car j'ai gagné. Les fans de la Eurogang, à partir d'aujourd'hui, ne regardez plus ce midi. Voilà. Les animatrices qui ressemblent à Punchline. Une fille qui parle de moi. Devant ce midi là. Il voit, j'y serai. Je joue les numéro 1 des arrangeurs de Côte d'Ivoire, mais c'est pas quoi là. Tu n'es rien. Tu es personne même. Tes arrangements là, c'est fini. Faut faire tes sons Zouglou et tes artistes qui ont fui, coupé, décalé, sont des Zougloumans. Vous avez attrapé Zouglou une fois seulement là. C'est fini, vous ne voulez plus laisser les choses des gens. Laissez le truc de Yodé, Silo, les vieux, vous frappez. Vous frappez. Vous laissez vos coupés, décalés pour aller faire Zouglou maintenant. Vous avez commencé vos vestes, vos petites vestes, vos pantalons sont serrés dans vos cuits, quoi. Vous faites cendrier les meubles là. Hein? Vos vestes des pasteurs là, sous vos chemises là, je ne sais pas. Vous pouvez pas être un peu swag. Même si on dit on aime, on veut montrer qu'on est artiste. Et écoutez, laissez choses déjà. Le Zouglou appartient au Zouglouman. On a qu'à apprendre à se respecter. Ce n'est pas Frankie qui m'a insulté. Je n'ai pas dit Frankie m'a dit Joe, il n'a pas eu. Il va jamais me dire ouais. Maman, les fois, les pistes, les camps, champion. Pourquoi pas
pourquoi tu mens comme ça en fait? Ça c'est toi qui dis. Pourquoi tu mens comme ça? Ça c'est toi qui dis. Attends, tu mens hein? Toi c'est toi qui dis. Moi je n'ai rien dit. Comme ça. J'ai juste dit que je t'ai vu en Haïti 5. Il a donné. Tu as reconnu tout de suite, oui ou non? En quelle année mon frère? En quelle année? En quelle année? Tu n'as pas. Je m'explique, laisse-moi parler. Pas je n'ai jamais dit que tu m'as montré la peur que tu as le sida. Je t'ai dit, je suis sûr que tu t'es vu calme. Tu étais bizarre. Non, non, j'aime moi, pour moi, dans ma tête, tu as ça. C'est quoi ça? Je crains que le pire, n'arrive. Quand je vous dis ivoirien, ivoirienne, vous risquez de perdre une sommité dans ce pays. Vous risquez de perdre une sommité dans ce pays. Je me bats pour la Côte d'Ivoire. Je me bats pour le drapeau ivoirien. Je me bats pour les Ivoiriens. Je pars hors des frontières de la Côte d'Ivoire pour représenter la Côte d'Ivoire. Je remporte des prix pour la Côte d'Ivoire. Je travaille pour la Côte d'Ivoire. Je fais la musique parce que j'aime la musique. Ce n'est pas de ma faute si je suis né ivoirien. Ok? J'espère que ça rentre dans les tympans de toutes les personnes qui veulent entendre ce qu'ils ont à attendre.